Et bonjour, on est avec Amuse en Parle, on est en fait en fin de salon, c'est pour ça que les gens sont en train de ranger. On est avec Pierre des éditions Baliverne. Salut Pierre. Hello. Ça va? Ça va. Des éditions Baliverne, donc ils proposent plein de bouquins. Tu écris aussi, il me semble. Hein. Oui. Ouais, ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et qui proposent plein de bouquins qui sont super sympas, qui sont très très beaux. Moi d'ailleurs, je me suis régalée cette nuit, mais je n'ai pas dormi. Donc j'en ai profité pour lire deux petites merveilles. Hein. Je vais zoomer dessus du coup. Hop, il y avait Semeur d'étoiles, mais il me semble qu'il y aura une réédition. Donc, voilà, voilà, on va le ressortir avec une petite mise à jour. Voilà, je vous fais quand même, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a chez Baliverne. Il y a vraiment de très très beaux titres avec de très très belles choses. Salut les Litaniennes qui passent, rentrez bien, excusez-nous, on est en train de, voilà, c'est les fins de salon, hein. Et donc toi c'est dans les salons, là tu vas partir en Alsace prochainement, la semaine prochaine? Exactement. Allez, je peux te dire le prochain week-end en Alsace à Colmar. À Colmar. Et ensuite au grand salon de Montreuil qui est le gros salon ah ouais. Jeunesse. De, ouais, de tu de fais France. Pas semblant quoi, donc voilà, donc jamais. Je fais bien de te filmer, donc respect mon seigneur. Oh. Donc allez le voir parce que franchement il a vraiment des tas d'auteurs, vraiment des trucs très très sympas. Et puis ben c'est lui aussi qui publie. On est désolé, là c'est un petit peu, ça fait vite parce qu'on est en train de ranger. Donc c'est lui qui publie La Voiture, vous savez que la muse a adoré ce livre, hein, vraiment c'est un petit bijou. C'est lui qui publie toutes les châteaux de sable, les chapiteaux, etc. Dans l'espace infini, c'est un petit bijou, j'ai vraiment adoré. Voilà, je ne les connais pas tous, hein, mais franchement, c'est vraiment un très très bon éditeur. Je vous montre en passant très très rapidement tout ce qu'il a, parce que là, il est en train de me maudire, s'il est en train de ranger, en fait. Ne t'inquiète pas. Petit runner aussi, les jours de grève chez les marmottes, et tout ça. Il me semble que j'ai le jour de grève chez les marmottes. On retrouve Laura Millot, La Largue des Soyeux, qui est un très très bon livre aussi. Laura écrit très très bien. Hein, et puis il y a ça aussi... Féerie, là, qui avait remporté un prix, il me semble. Voilà, les imaginales et grand prix voilà. imaginaire. Donc ça, c'est le deuxième. Voilà. Top. Exactement. Voilà. Donc vous savez où vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas, parce que franchement, il est super sympa. On vous montre sa tête. Voilà, il est super sympa, il est très très gentil et puis très abordable. Et franchement, ses bouquins sont très très bien. On fait des bisous. Grosse bise à tous. On te souhaite un bon salon. Hein, deux bons salons, des auteurs sympas, etc. Des lecteurs passionnés et puis voilà. Ouais, tu fais que dans la jeunesse, hein. Oui. Baliverne édition. Que jeunesse. Voilà. Il y a un site internet, on mettra le lien en dessous. Voilà, on vous mettra le lien en dessous. Voilà. Merci beaucoup Pierre, bon Merci. Retour et à très vite. Bonne fin d'année à tous. Merci. Au revoir.